Hey, bonjour tout le monde, c'est Douglas. Dans la vidéo, ça nous voit qui quatre façons qu'on a utilisé pour mettre un produit dans l'auberlo avant qu'on traite et voyez dans la boutique. La première façon qu'on a utilisé pour mettre produit dans l'auberlo, c'est pour mettre dans import list, c'est-à-dire pour mettre dans produit importé, c'est là qu'on va traiter produit en tout bas, ça, ok? On fait search product. Donc, l'arrivée là, par exemple, vous déjà une sorte de boutique intégrée de AliExpress en dans l'auberlo, par exemple, vous avez une catégorie là, ou des produits là, par exemple. Si je veux les produits, je dois juste cliquer sur importer. Ok, je clique sur importer. Si je clique sur importer là, par exemple, attends 2 secondes, on va rafraîchir pour nous voir comment ça est. Je quitte ton page pour importer pour nous aller plus vite. Okay? Donc, nous voyons, produit est importé déjà dans Oberlo. Okay? Deuxième façon qu'on a fait pour importer produit dans Oberlo, c'est par exemple par rapport avec URL produit. Hein. C'est-à-dire, je prends n'importe qui produit là, par exemple. Si je prends, par exemple, je montre ça, par exemple. Ok? Je vais montrer ça, cliquer sur là, d'accord. Et puis, moi, arriver là, sous page produit. Ben, si je prends URL produit là, ça veut dire lien produit mal sur Oberlo. Je dis import product by URL, ça veut dire pas dégager lien. Je clique sur lien là, je fais importer. Nous avons un petit message en bas là, par exemple, il est marqué produit importé. Donc, si par exemple, cliquer là, on prend un exemple très simple, pour nous, boum, produit en lien importé, ok. Donc, c'est deuxième façon qu'on a utilisé pour importer produit sur Belo. Par exemple, j'en ai par exemple, un bon produit là, par exemple. Je vais essayer de prendre l'autre produit pour nous. Ouais, si je prends par exemple produit ça. Ok, qui sont l'autre montre. Donc, produit ça là, moi-même. L'autre façon qu'on a utilisé pour importer produit dans Belo, c'est par exemple cliquer sous Chrome Extension Belo. Si je clique sous là, ok, l'apparaître, il dit Add to Import List. Je dis oui. Ok, il dit produit en lien importé. Nous allons regarder ce qu'il est importé vrai. Boum, lien importé. Donc, ça, c'est troisième façon qu'on a utilisé pour importer produit dans Oberlo. On doit utiliser lien, ok, ou bien utiliser j'aime mon là. Sinon, l'autre façon qu'on doit utiliser, par exemple, c'est pendant ou dans la barre de recherche, là, par exemple. Si on fait rings, par exemple. Désolé, hein, les gens. Si je fais rings par exemple, nous avons pile produit qui va apparaître avec des indications et tout. Et bien, regardez à chaque fois que je passe sur un produit, il y a un petit bouton bleu qui est là. Et bien, le bouton bleu, ça va permettre moi d'importer produit dans Oberlo par exemple. Si je prends bag ça là, ok, on prend une bag qui paraît 2 secondes. Ok, ben, on prend bag tête mort ça là. Si je fais cliquer par exemple, il dit produit à importer. En important l'autre pour nous, on prend bag violet ça là. Si je fais importer, on regarde ici importer. Ok, 2 secondes. Tête moi importé, bague là tombée là, et boum, bague là tombée. Donc, ça c'est quatre façons qu'on a utilisées pour importer produit dans Oberlo. Soit depuis en boutique Oberlo, soit avec lien produit, soit avec par exemple pendant sous page produit exactement, soit pendant sous page recherche côté que gros paquet de produits qui paraît Oberlo, bon, tout, des cas dit moins ça pour importer produit. Sous application avant qu'on traite yo et qu'on le mette dans la boutique là. Voilà, c'est tout ça me dégaine pour une vidéo ça pour montrer comment on doit importer produits sur Belo. Allez, ciao ciao.